Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo assez spéciale, notre première expérience paranormale, toujours accompagnée de Erwan et son frère, et Sylla. Salut. En fin de compte, on est revenu dans la maison, on avait fait la vidéo Urbex, et en fin de compte, ça a tourné en paranormal. Du coup, on revient ici pour faire une enquête exclusivement sur ça, en fait, pour voir si on pouvait avoir d'autres résultats, approfondir les choses, connaître. Du coup, nous, on découvre tout ça parce que c'est notre toute première vidéo sur ça. Et du coup, on vous dit à tout de suite. Alors, on est tous en mode avion. Moi, j'ai éteint mon téléphone. Erwan aussi. Ouais, Igor est en mode avion également. Il a carrément éteint. D'accord. Bon, bah, je suis la seule à avoir le mode avion. Je vous laisse visiter si vous voulez. Hein. Ouais. On va peut-être aussi se présenter. Ouais. Ouais. Ça a été légèrement bougé. Ouais, déjà il y a une canette. Enfin, il y a un. Ouais, parce que ça c'était pas ici, c'était plus au milieu. C'est ce que. Ça c'était enfoncé, mais bon, je me. La porte là, il y a une porte là-bas, elle a été renversée. Et puis le choc là, le truc, le choc là, ça n'y était pas. Et ça aussi, ça n'y était pas. Il y a une canette de coca aussi, ouais, ça n'y était pas non plus. Il y a du pour ça. Par contre, il y a beaucoup de bruit, il va falloir faire attention au niveau des bruits, hein. Ne pas être trompé. Bon, ça me fait baliser. On regarde. Quand tu regardes l'axe comme ça, on pourrait essayer un cobalt. Un chanteur. Ouais. Ouais, avec un chapeau. Ouais. Ouais. Ça fait 10 jours. Ouais, 10 jours. On va commencer directement, on va pas perdre de temps. Ce coup-ci, là, pour cette première séance, on va rester ici. Souvenez-vous, c'est ici en fait qu'ils ont entendu Axel et puis Kevin des bruits de pas. Alors, comme je vous ai dit, ça peut être très bien l'homme qu'on a vu après le tournage, etc. Mais comme je vous ai dit, ce qui est bizarre, c'est que cette personne-là n'a pas du tout en fait. Réagit à nos interpellations. Donc on va essayer de voir, on va faire une première séquence. On va rester à 4. En fait, là, toutes les caméras qui sont ici, il y en a 3 là. Il y en a une quatrième, donc elle nous servira au fil de l'enquête. Donc là, il y aura par exemple une caméra qui va filmer, qui va filmer le K2, une autre caméra qui va nous filmer, et une autre caméra qui sera sûrement sous un autre angle, pour vraiment bien prouver qu'il n'y a pas de fake possible. Bonsoir, je me prénomme Erwan, je suis en compagnie de Kevin, de Igor et d'Axel. Nous sommes venus il y a une dizaine de jours à peu près, et il m'a semblé rentrer en contact avec vous. On a peut-être pu entendre vos bruits de pas. Mon appareil qui s'est mis à fluctuer. Donc si jamais vous êtes présent avec nous, n'hésitez pas à le faire fluctuer de nouveau, s'il vous plaît. Vous pouvez puiser dans l'énergie des caméras, bien entendu. Ce soir, nous en avons et elles sont toutes rechargées, donc n'hésitez pas.
Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à faire fluctuer le cadeau ou faire un bruit, s'il vous plaît. Nous sommes restés plusieurs minutes à l'étage, mais nous avons eu aucun résultat. Nous décidions donc de changer d'endroit et de redescendre au rez-de-chaussée. Nous pensions avoir plus de résultats suite à notre dernière vidéo. Et c'est à ce moment que nous avons eu des résultats troublants et même surprenants. Ça, ça n'y était pas, ça. Sûr ? Ça, on n'est pas un cas dérapé ou un truc non, comme ça ? Non, non, sûr et certain. Tu vois, on pensait quelque chose qui était très bon. Bizarrement, c'est le bruit qu'on a entendu tout à l'heure. Après, pour moi, ça peut-être été déjà là au départ, mais... Ouais, quand on regarde sur les... sur la vache. En plus, on ne voit pas la trace de pain. Bah non, la, la poussière, elle est là-dedans, en fait. Attends. J'ai entendu un ouais. Quand t'es en train de parler. Bon, on se trouve en bas. Donc c'est là où on a eu des réponses. Enfin, dans la pièce d'à côté, bien entendu. Donc là, il y a plusieurs entrées possibles. On est assez dispersé, donc n'hésitez pas à aller sur le K2 ou sur l'autre compteur pour vous manifester, pour voir que vous êtes bien avec nous. Allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce manoir ? Si oui, faites fluctuer l'un des deux appareils présents sur le meuble. Bugué, c'était pas assez, enfin c'était pas fluide et ça s'est coupé carrément directement. C'est bizarre ça. Ça l'a jamais fait quoi. Tout le reste. Et depuis, bien, en fait non. Depuis tout à l'heure, bon, j'en ai parlé du focus, ça a du mal à focuser, mais je pense que c'est parce que on filme dans le noir et des choses comme ça. Et depuis tout à l'heure, c'est pas fluide, l'image elle est pas. Et là en me tournant, ça s'est coupé. Ouais, c'est bien. Tu l'as vu se couper ou pas? Hein, tu l'as vu se couper ou... Ah oui, j'ai vu se couper. Ah d'accord, ouais. Ah, du coup, on n'a rien perdu, quoi. Non, c'est coupé dès que le cœur est passé. Ah. Il pleut déjà tout partout, mais...
Vas-y, venez devant moi. 11, 3. Ouais. Bon, je pense que c'est avec la nuit. La nuit commence à tomber et du coup. J'ai plus frais. Ouais, la fraîcheur arrive. On va faire une petite pause d'un quart d'heure, histoire d'eux. Parce qu'on va essayer de au fil de la nuit pour voir s'il y a, s'il y a plusieurs trucs. Du coup, là, ça fait à peu près une demi-heure qu'on tourne. Et déjà que là, la petite caméra, elle a plus du tout de batterie. Voilà. Alors qu'elle était pleine, et là, moi, je suis déjà à une demi-heure et 79%. Nous sommes déjà venus une première fois il y a une semaine. Le K2 avait fluctué quelques fois. Du coup, n'hésitez pas à le refaire. On est des simples visiteurs. On n'est pas, pas là pour dégrader, etc. Oui. Comme vous pouvez le voir, ça fait deux fois qu'on vient. On respecte les lieux, etc. Du coup, n'hésitez pas à nous répondre. Ou même si nos appareils vous font peur, on peut essayer de diminuer les lumières, etc. Si ça vous gêne. Même essayer les baguettes si tu les as. Peut-être après. C'est dommage, en vrai, si on avait une spirit box là. Et ouais, les spirit box c'est tellement dur à avoir maintenant. En haut, on est à combien ? 14 ? Ouais. On est à 16. Après, on ne s'est pas présenté. Moi, c'est Kevin. Et moi, c'est Axel. C'est notre première fois en termes de paranormal, d'expérience. En fin de compte, je pense qu'on a donné quand même pas mal de questions, les premières questions. En fin de compte, il faudrait qu'on ait des résultats pour poser d'autres questions. Bah ouais, c'est ça. Ça, pour le moment, moi, j'en ai pas personnellement, à part s'il y avait eu quelque chose. Ou alors, tu sais, tu reposes toujours les mêmes questions. Tu sais. Tu dis vague, est-ce qu'on vous dérange? Quel âge vous avez? Vous êtes un homme? Et après, est-ce qu'on vous dérange, tu vois? C'est quoi la... Pourquoi la lumière a... C'est de la Igor. Ah. Si ça leur fait, on enlèvera juste une pile, on la mettra. On va rester ici jusqu'à 2-3 heures du matin. Du coup, n'hésitez pas à vous montrer, à taper dans un mur, une porte ou même faire marcher nos appareils. On a de la batterie, du coup, vous pouvez les prendre un peu d'énergie dessus. Ce qu'il semblerait déjà que vous ayez fait, puisque déjà il y a une caméra qui ne marche plus. Alors que celle-ci était branchée, enfin était... J'ai quasiment calme, ouais. Voilà. Donc maintenant, si vous avez de l'énergie, n'hésitez pas à faire fluctuer les deux appareils, ou l'un des deux, comme vous voulez. Mais allez-y. C'est le moment. Cela fait environ une bonne heure et demie que nous sommes dans ces lieux. Nous avons pour l'instant eu aucun résultat. Mis à part quelques petits bruits, mais avec le vent de cette nuit, nous ne pouvons pas affirmer que cela est paranormal. Nous avons donc décidé de faire une pause et de commencer une nouvelle séquence avec des baguettes de sourcier. Et nous avons été plus que surpris par les réponses que nous avons pu avoir. Est-ce que c'est vous qui avez arrêté l'un de nos appareils ? Oui, pour la gauche, baguette sur la gauche. Ou non, baguette à droite. Si jamais tu ressens une force, si ça force, tu le dis dans mon micro. Il est un peu plus haut. En fait, faut que les baguettes, en fait, elles soient vraiment bien, tu vois. Bien comme ça, pas un peu plus bas. En fait, ça va jouer avec le. J'ai pas le droit.
Merci, si c'est vous. Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? J'avais fait ça à la tournure. Allez-y encore un peu. Merci. J'ai des frissons. Est-ce que vous êtes un homme? Baguette de gauche pour le oui, baguette de droite pour le non. D'accord, donc vous n'êtes pas un homme. Vous pouvez remettre la baguette à son endroit initial, s'il vous plaît. Pour oui, droite pour non. Nous avons dépassé le stade des minuit. Donc je répète, si vous êtes une femme, baguette de gauche vers la gauche. Si vous n'en êtes pas une, baguette de droite vers la droite. Je bouge pas d'un. Vous les avez déjà testés plusieurs fois ça... Ouais, mais. Pas autant de résultats. La baguette comme ça qui tourne d'un coup, non. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez remettre au milieu, s'il vous plaît? Par contre, c'est pas un homme ni une femme. Un enfant? Ah oui. Est-ce qu'on vous dérange? Si tu vois qu'il le remet pas, tu le remets ouais. Directement. Ça va, tu veux... Ouais, mais c'est impressionnant quoi, enfin, c'est bizarre. Moi je tremble trop, peut-être pour faire, je... C'est dommage. Je remets les droits. Si tu peux, je prends le roi. Tu veux essayer hein. Ouais, bien voir. Peut-être qu'après ça marche mieux sur l'un ou sur l'autre, on va essayer pour voir. Donc si vous n'êtes pas un homme ni une femme, est-ce que vous êtes un enfant? Oui pour la baguette de gauche vers la gauche, non la baguette de droite vers la droite. Vous êtes un enfant, d'accord. C'est hallucinant. Tu mets homme, ça dit non. Tu mets femme, ça dit non. Tu mets enfant, ça met oui. Est-ce que ça nous jouerait pas un tour après, selon les questions après? Est-ce qu'ils essaieraient de. Pose une question, Tringor. Est-ce qu'on vous dérange? Si oui, baguette gauche sur la gauche. Sinon, baguette droite sur la droite. C'est ça, sa force. On dirait qu'il y a les deux forces qui essayent de mettre un côté ou... Les puissances, ils sont plus durs.
Est-ce que le père des enfants est ici? Baguette gauche, c'est oui. Baguette droite, c'est non. Merci d'avoir répondu. Avec toi, j'ai l'impression que ça y est, je sais pas. T'es peut-être plus sensible. On va vous reposer la question. Est-ce que vous êtes plusieurs dans cette maison? Oui, à gauche, et non, à droite. Question à poser. Est-ce que tu es athée ou pas? Il est athée. Je suis athée jusqu'à preuve qu'on prouve le contraire. Ouais. En gros, je suis dans le tour, on va dire. En gros, t'es exactement comme Boris l'était avec Lily. Il était athée. Tiens, ta vidéo s'est encore arrêtée. Donc du coup, on va faire une dernière séance. Du moins la dernière, si on a beaucoup moins de réponses. Enfin, si on n'a plus beaucoup de réponses, on partira. Donc n'hésitez pas à profiter de ces derniers instants. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Kevin va vous poser des questions. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Baguette, pour dire oui, baguette de gauche à gauche. Pour dire non, baguette de droite à droite. Un peu d'énergie de nos appareils, si ça peut vous aider. Je ne perds une barre. Je ne perds une barre. Ouais, c'est normal. Est-ce que si on vous dé... est-ce que vous voulez qu'on parte pour dire oui, baguette de gauche à gauche, pour dire non, baguette de droite à droite. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? On est là pour parler avec vous. Si vous avez envie de parler, on peut essayer de vous aider, si vous avez des demandes, etc. Est-ce que nos appareils vous dérangent? Oui, baguette de gauche à gauche. Non, baguette de droite à droite.
Tu veux que je tienne un peu? Ouais. Je tiens un peu. Ouais, si tu veux. Après, je pense que là, moi, j'ai l'impression que... C'est plus. C'est plus... Comment dire? C'est plus... C'est moins lourd, peut-être. Je garde un œil sur le cap de toi, Kevin. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? Baguette de gauche sur votre gauche, enfin sur la gauche. Ou la baguette de droite sur la droite, si également. Vous êtes toujours avec nous. Faites pousser un peu plus la baguette. Très bien. Est-ce que l'enfant est toujours avec nous? Faites tourner l'une des deux baguettes. Cela fait plus de 2 heures que nous sommes dans ce lieu, et plus aucun contact n'apparaîtra au cours des séances qui suivra. Il se fait tard et nous avons plus aucun contact. Suite à ça, nous décidons de partir. C'est comme la première fois que nous sommes venus. On vous demandera juste de ne pas nous suivre. Merci à vous d'avoir pu répondre à nos questions, aux baguettes, peut-être aux cadeaux, peut-être à vos voix qu'on a pu entendre sur les micros, je ne sais pas. Et puis, merci de nous avoir accueillis. Peut-être qu'on se reverra un jour, je ne sais pas. Merci à vous, reposez en paix et au revoir. Au revoir. Alors voilà, l'enquête est terminée. C'était une première pour nous et franchement, on a eu pas mal de surprises. Ouais. On a eu quelques résultats, quelques bruits. Et franchement, c'était une bonne expérience qu'on a fait avec Erwan et Igor. Du coup, on vous laisse sa chaîne en barre d'infos et on espère que la vidéo vous aura plu. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.